C'est reparti là-dessus pour la suite des aventures. Le soleil se lève, c'est 9h du matin. Nous avons commencé il y a 3h. Et on est parti pour cette cinquième POD. Du DLC des jambes. Enfin, cinquième POD et troisième ennemi du DLC des jambes. Avec une petite tête secondaire là. Puis un fort à les détruire. Puis on verra pour la suite. Chose, Mistyos. Il paraît que c'est toi qu'il faut venir voir quand on a des peaux d'ours à vendre. Tu es au bon endroit si tu as en effet des peaux d'ours. Voilà les peaux d'ours. Mais what the fuck? C'est par là. D'accord. Oh, attends. J'ai oublié le code. Un instant. C'est toujours comme ça. Au commencement était le chaos. Et son pouvoir est ancien. Ce n'est pas la bonne réponse. Merde. Je ne suis qu'un instrument dans les mains des dieux, mais il arrive qu'ils en aient besoin. C'était lui ? Sa vie a été une tragédie. Oh merde. Je me suis trompé. Ça va, je me suis trompé. Excuse-moi. Bon bah ça nous fait quand même un nouveau nom, hein, faut pas croire. Je vais t'écraser. Et que... Putain, mais t'es un vieux machin. Voir si les rumeurs au sujet de ta force sont vraies, porteuse d'être. Bah, regarde. Je fais des esquives parfaites et je vous enchaîne les deux. Par contre, tu fais des retournées acrobatiques. Très acrobatiques. Que j'ai plus de vie. Vraiment, j'ai plus de vie là. Bon, écoutez. Vous m'avez saoulé. Confirmé. Mettre l'essai. Ah non, c'est bon, ça marche. Mais les hitbox. J'en ai marre. Bon, on a un fort. Attendez. Porte du culte. Mais c'est lui qui traînait souvent le fort. Ou c'est lui? Ah non, c'est lui. Bon, bah, on va pouvoir se faire lui. Ok. Comment t'as loupé ton attaque? Donc on va aller faire du fort tout en entier. Peut-être qu'il y a une information sur nous. Enfin peut-être que... voilà. Et on va le faire en discret. Pourquoi pas. Alors pour le faire en discret il faut ma petite tenue d'assassin. Et beaucoup de chance. Oui, oui, oui. Ça va être dur ce DLC. C'est que la partie 1, je pensais que c'était plus court quand même. Pathétique et polymère. Ah, il est fort, il est grand le fort, pardon, il est fort le grand. Pathétique et polymère. Déjà, on va commencer par ici. Ok. Ok.
Il y a du monde. Mais ça dit pas s'il y a un membre du culte de l'ordre de l'ancien. Ça dit pas du tout ça. Ah, c'est relou. Putain, je le one-shot pas quoi. Je fais 300 000 de dégâts, je le one-shot pas. Ok, ça dégage. Ouh. C'est fou qu'il n'y a rien ici, attendez. Pas de méchant. Voilà Darius. Mais je sais où il est Darius. Je cherche juste le méchant ici. Indice sur ancien. Ok, il y a un indice sur ancien ici. Ok, bah c'est bon, c'est ce que je cherchais. Indice sur ancien. Ils m'ont dit là. Mais non. Je suis arrivé là, ils m'ont dit indice sur ancien, me mentez pas. Oh la salope. Indice sur ancien? Pas du tout. Indice sur ancien à proximité. Attendez, non mais. Vous venez de me l'afficher, les gars. Ou c'était un gars à tuer, l'un des suranciens. Suranciens, pardon. Récupérer. Eh, oh. Ouh, discrétion absolue. Mon indice sur ancien. Alors, t'as une vue, toi? Ok. Il n'y a plus de puissance nationale, mais ça ne m'aide pas. Je suis arrivé par là, ils m'ont dit indice sur ancien. C'est ça qui est bien. Mais. Le chasseur. Indice sur sa proximité. Nice. Ouvrir. C'est ce que je cherchais en fait. Les hommes sont des armes utiles dans les mains d'une femme avisée. Oh. C'est salaud ce que tu as dit. Et bon, on va aller la tuer. Ok, il ne restera plus que le recruteur et puis on les aura tous tués. Il ne restera plus qu'à tuer le meilleur. Hop, on quitte l'endroit. Voilà. Et on va lui dire qu'elle est méchante. Putain, je one-shot même pas avec mon petit assassin à 300%. Vraiment, je suis à 300% assassin.
Marcos, ah putain, il devient quoi Marcos? Attendez, je retourne le voir. Madame, j'ai des trucs à vous dire. Vous pensez que je lui mets combien là? Ah oui. Je le tue. Oups. Vite, on va être battu normal. Je vous ai même pas vu, les gars. Ok. Tiens, je te laisse mourir. Ouh, je la one-shot pas. Je sais pas où elle va. Bonjour. Ok, on confirme l'assassinat. C'est pas grave, l'assassinat est confirmé. Ceinture d'élite perse, image des anciens. C'est bien, moi je suis venu tout court. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde de plus? Putain, y'a un port ici. Allez, on va suivre, on va aller faire celle-là. Ok, et du coup, il nous reste plus que le recruteur. Qui est lui? Et bien après, et en machin. Bon bah ça va. Allez. Des bisous. Au début, bah, c'est écrit en fait ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas très précis, mais vous voyez, fallait trouver un autre ici là-bas, et puis on a trouvé. On aurait dû tuer celle qui avait du poison, on s'est loupé, mais on s'est rattrapé, c'est pas un problème. Hein. On s'en est bien sorti finalement. On va pouvoir on se mettre en lumière normale. Ah. C'est bon, j'ai même plus besoin de ça en fait. Étant donné que là il fait jour, j'ai même pas besoin d'activer celle-là. Baisser un petit peu, ah si on pourrait l'être quand même. Non, normal. Ouais, normal, il est un petit peu trop lumineux, faut le mettre par le bas. En fait, il faudrait que ça soit une lumière blanche, pas une lumière jaune. Pathétique et polymère. Allons voir Darius. Des lions qu'on a déjà tué 6 des membres. De 5, pardon. Et au moins j'ai quand même plus que le magistrat. Bois d'olivier. 22. Papa. Enfin, papa de... Ouais, bon, Darius. Je t'ai trouvé. On ne me trouve que si je le désire. Natakas dit que tu as découvert quelque chose. Ça peut nous mener au veneur? L'ordre prépare quelque chose. Tu veux le veneur? Alors reste dans les parages, et aide-moi à le contrer. Je t'écoute. L'un des lieutenants du veneur s'occupe du recrutement de l'ordre, en Macédoine. Si on le trouve, on aura une piste. Cherche des documents, des messages, des registres. Ils nous diront où se déroulera la prochaine réunion, et sois discrète. Je vais entrer dans ce fort et tant pis pour qui s'y opposera. Tu manques de discernement, mais le choix t'appartient. Rapporte-nous ce que nous cherchons. Et toi? Je vais aller au village et découvrir quand doit se tenir la réunion. Je t'y retrouve quand j'en ai fini au fort. J'ai déjà fait la moitié. Oui, bah oui, j'ai compris que c'était avec l'oiseau. Trouvé. On a déjà tué la moitié du coup. Et voilà.
Elle se trouve, machin, les forteresses. Les documents sont éparpillés dans la forteresse. C'est pour ça que je peux l'avoir d'ici. Il s'est dit de faire preuve de discrétion. Discrétion. Les chèvres saigneront, les papillons seront attirés par la flamme, le serpent renaîtra. Oh, fallait me dire, il y avait un truc. Nouvelle vie. Darius, voilà ce que je cherche. Lettre d'amour. Retrouve-moi ce soir sous notre arbre préféré. J'ai envie. Les moustillons. Ok. Et on sait pas faire repérer. Ah, pas tout de suite, pas encore. Eh. Livre livré, proposition vérifiée par le cuisinier du village. Un banal reçu, sans intérêt. Je crois que c'est tout. Allons retrouver Darius. C'est tout. Oh, si j'avais su, je l'aurais déjà fait dès le début. Ok. Des bisous. Putain, comment il m'a vu? Comment il m'a revu? Ah, c'est pas grave, je m'en vais. Oh, j'ai eu ce que je voulais. Des bisous. Stop. Stop. Stop, stop, le mignon. Pathétique et polymère. Bon, bref. C'est bon, je suis plus détecte. Pour l'interrogation, pour l'interrogation. Je suis à 150 mètres, je suis plus là. Ok. Bon, Darius, j'ai tes documents, ça m'a pris 30 secondes. Mais j'ai tes documents. Tout s'est bien passé? Tout va bien. Je t'ai entendu sur tout le chemin du retour. Alors pourquoi cette question? La franchise compte pour moi. Tu y trouves quelque chose? Ça n'a pas l'air d'être des messages secrets. Celui-là. Des crochets? Ce sont des recrues. Et les chèvres qui saignent. Un élevage de chèvres. Comme celui-ci. C'est là qu'aura lieu la réunion. L'ordre utilise du sang de chèvre pour ses rites initiatiques. Ses rites initiatiques? Tu en sais beaucoup sur l'ordre? Non, pas assez. Ouais. Alors, que sais-tu? Je sais que la réunion est pour bientôt. C'est bizarre, Darius. T'es peut-être le méchant. Ce message doit t'en dire davantage. Ce passage sur les papillons et la flamme. Ouais. S'ils utilisent des élevages de chèvres, ils sont peut-être venus ici. Nous devrions chercher des indices. D'accord. Par où veux-tu commencer? Darius, j'ai pas confiance, hein. Par ce grenier, là-bas. Il est petit, mais plein. Et il doit attirer les gens comme... Comme le miel attire les abeilles? Je ne crois pas. Moi non plus. Hein? C'est une affaire de feu et de flamme. Il y a quelque chose ici. Ces bûchers de foin... Il y a des marques de suie à leurs pieds. Et alors? Bah il pleut. Quelqu'un a brûlé du foin ici. Le signal, ce sont des flammes. Ce qui signifie que les réunions ont lieu la nuit, car... Putain, c'est Scooby-Doo, là. Exactement. C'est assez bizarre, Darius. Il suffit d'attendre que la réunion commence. Il y a un autre élevage de chèvres tout près, de l'autre côté du pont. Bien, je t'y retrouverai à la nuit tombée. Moins. Il en sait beaucoup trop. Il en sait beaucoup. J'ai pas confiance en Darius, parce qu'il me porte, il m'en fait tout pour me porter le doute, donc j'ai pas confiance. Et après, il y a les lames d'assassin. Donc t'as confiance aux gars qui ont les lames d'assassin. Je sais pas. Fais lui les chèvres.
J'ai trouvé un endroit d'où observer la réunion. Nous attendrons là. Le meneur sera satisfait de ce résultat. Le recruteur. Il y a eu des troubles à la forteresse d'Olynthe. Non. Sûrement une intervention d'Artabanos. Artabanos ? Votre mission est de trouver la porteuse d'aigle. Mais si vous m'amenez les deux, ce n'en sera que mieux. Je vais les contourner. Ne le laisse pas s'enfuir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Reste. Pardon. I'm Batman. La fin de la réunion. Où y aller maintenant? Où est passé Darius? Oh bah c'est cool en fait, juste les attaques. Je vais te changer la tête à ton porteuse d'aigle. Ah mais en fait il y a du monde. Ah mais c'est vrai que j'ai le bâton niveau 6, confirme l'assassinat. Tu ne causeras plus de sort. Ok. Il est pas du tout venu me voir hein, du coup. T'es salaud, tu vois bien que je suis occupé à faire d'autres trucs. Oh la vista. Ah du coup ouais j'ai 8 barres au lieu de 7. Ok, plus 27 de bois, ça fait toujours plaisir. Du coup, il est même pas venu m'aider. Hein. C'est bon, j'ai tué tout le monde et toi? Un autre message. J'espère de bonnes nouvelles à propos du recrutement. Retrouve-moi au lac. Le veneur. Un lac. Intéressant. T'es pas venu m'aider, connard. C'est toi le méchant. Où est-ce que tu te cachais? Plus près que tu n'imagines. Tu n'as jamais été réellement en danger. Le lieutenant du veneur a parlé d'un Artabanos. Qui est-ce? Cet homme est mort. Merci de ton information. Tu es parti. Pourquoi? Je devais m'assurer que tu n'appartenais pas à l'ordre. Quoi? Tu me soupçonnais encore? Parce que toi, tu n'as jamais douté de mes liens avec l'ordre. J'ai eu des soupçons, c'est vrai. Mais pas instantanément, connard. Tu as immédiatement compris les messages chiffrés. Et tu connais ses rites et ses méthodes. Je sais que tu es sans reproche. Et nous avons nos réponses. D'après le message, le veneur est près d'un lac. J'ai d'autres pistes à suivre. Et je suis sûr que Nataka en a d'autres pour toi. Je vais aller au lac, mais qu'est-ce pas la couille. Cache Darius, je le découvrirai. Ah ah ah. Sinon, je vais aller tuer le meneur. Je devrais retourner voir Nataka avec ses indices. Monde du culte. Toi, tu dégages. Et 90 sur 5. Mais on part d'un lac et d'un chasseur impur, machin machin. Du coup, des nouvelles quêtes. Encore Malaka? Quoi? Encore Malaka. Puis on y est retourné voir un machin, mais quoi encore Malaka?